Mais sachez que hier, nous t'avons parlé de dossier ça, gros dossier ça, que pas en fait de destitution Donald Trump. Et nous songeons que nous t'avons parlé du problème avec M. Guéyen là, dans révélation de conversation téléphonique qui était passée entre lui-même avec le président ukrainien Zelensky. Eh bien, jodi an la, bagay an koute yat, nou wè ke chon pran dosye sa trez o seri, men jodi an, monsye te paret New York City avèk monsye Zelensky ki te la, ki te ap pale, pou te di ke li pat gen okèn presyon, li pat subi okèn presyon de président Trump, et que tout ça y a dit là, c'est comme si son sorte de chasse aux sorcières, j'en ai dit, pas gagné qui illégal qui était passé. Entendez un reportage avec confrère nous de Radio Canada. Une image presque surréaliste. Trump et Zelensky, les deux protagonistes de l'appel téléphonique dont tout le monde parle, réunis devant les caméras de télé à New York. It's better than... Au cours de cette conversation du mois de juillet, rendue publique aujourd'hui, le président ukrainien parle d'aide militaire, d'achat de missiles. Ce à quoi Donald Trump répond qu'il a d'abord besoin d'une faveur, une enquête sur le fils de son rival démocrate, Joe Biden, précisant qu'il allait demander à son avocat personnel, Rudy Giuliani, mais aussi au procureur général William Barr, d'entrer en contact avec lui. Trump lance aussi à son interlocuteur la phrase suivante. « Les États-Unis ont été très généreux envers l'Ukraine. Je ne dirai pas que c'est réciproque. » Pressé des questions à ce sujet, le président ukrainien explique qu'il n'a pas senti de pression du président américain. « I think, and you read it, that nobody pushed me. Yes. In other words, no pressure. » Volodymyr Zelensky dit parce que personne pas poussé, personne pas prendre pression. Et nous connaissons Donald Trump aujourd'hui à Tepay en conférence de presse après ça. Et puis côté il a parlé de mur là, il parlait de l'autre problème tout dans le pays, hein. Il parlait de mur là qui que le visiter. Nous connaissons fameux mur ça que bâti entre États-Unis avec Mexique. Il dit que grand pile gouverneur qui est content de mur là. Mais c'est sûr que question avec Ukraine là, tu es retourné dans la conférence de presse là. Eh bien, monsieur te répond à la question. Hein. Monsieur te adressé, en fait, monsieur te profité pour retourner sous ce qui est passé dans l'élection lui-même avec Hillary Clinton. N'attendez qui Jean, monsieur te répond à la question ça, en question très pertinente que le journaliste a te posé, monsieur. Le journaliste a demandé, monsieur, pour qui ça, américain, t'as supposé senti au safe avec le président yo a demandé un président en l'autre pays pour enquêter sur citoyens américains. Son question qui est très valable, son question qui vraiment très pertinente. Et bien, n'attendez qu'ils aient Donald Trump répondre question en passant Donald Trump qui très 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 à l'aise devant caméra et qui pas paniqué devant question. Et moi trouver des fois tout qui même fait preuve d'un petit peu de sagesse derrière caméra. Donald Trump nous ouais des fois derrière caméra, c'est pas Donald Trump nous, on dirait que c'est deux mondes différents. On dirait que c'est pas même Donald Trump que nous ouais derrière Twitter. En tout cas, monsieur amélioré en pile, monsieur vient vraiment plus calme, même si question c'est question pour tacler, monsieur répond question avec calme, n'a suivre ça quand même. Came to vote than anybody thought possible. So why should the American people then be comfortable with an American president asking a foreign leader for information about American citizens? Well, I think you could look at your senators and you can look at Biden and you can look at all these other people, but what we're looking... for is corruption. An investigation started called the Russian Witch Hunt, affectionately, and it was a total phony scam. It was set up by people within the government to try and stop somebody from getting elected, and after that person, namely me, won, and convincingly won at 306 to 223 in the Electoral College, which, by the way, when you run a race, if you're running electoral, now, if you go by the college, Electoral College, that's a much different race than running popular vote.
And it's like the 100-yard dash or the mile. You train differently. And I can't help it that my opponent didn't go to Wisconsin and should have gone much more to Michigan and Pennsylvania and other places, but that's the way it is. Président Trump qui dit que nous connaissons depuis longtemps des gars en witch hunt qui commençait en chasse aux sorcières, qui était même pour même empêcher le vin candidat. Et après que les gagnants élections, en élection que gagnent passe à travers collège, vote électoraux, grands électoraux, et il dit que en passant, vote avec grands électeurs est différent de vote populaire là, sont c'est des stratégies différentes. Donc c'est pas faute li si adversaire li a pas de comprendre stratégie en bien et puis pas aller pour état que il était supposé aller au, li pas aller à gagner état que il était supposé gagner. Yo. Donc c'est pas faute li. Et li même li de comprendre stratégie hein, sont différents, sont course qui différent de course normal là et li même li comprendre et c'est ça fait que li gagne. N'a continuer tendre réponse monsieur. We won an election convincingly. Convincingly. And then you had the text message on, well, if she doesn't win, we've got an insurance policy. How bad was that? You know what the insurance policy, that's sort of what has been taking place over the last number of years, the insurance policy. Now, there are a lot of very dishonest people. With a Monsieur dit que les gagnent élection haut la main et nous avons essayé de monde, nous avons essayé de monde qui sorti un texte, qu'on texte que vous êtes jeune, il dit si il n'arrive pas à gagner, eh bien nous avons un dossier secret à plaguer sous d'autres trompes. Et l'idiot que dossier ça, c'est toute tractation qu'il a fait depuis que Livin président pour ouais si t'as essayé discréditer pour ouais si t'as essayé jeter l'idiot qu'on paquet de monde qui vraiment malhonnête dans milieu politique là. N'a pas continué d'entendre président Trump qui a parlé. The ones that played it straight, and you know what, the millions of people out there that are looking at what's going on, those people understand it. They see it and they think it's disgusting. And our people are being hurt and our country is being hurt when a Nancy Pelosi allows her position to be taken over by radical far-left socialists or worse. That's pretty bad. That's pretty bad. Especially when the senators and all of these other people have actually done what they're accusing me of doing, which I didn't do. Li dit que vraiment gen plus moun malhonnête dans milieu hein, que moun honnête et puis li dit spécialement le Nancy Pelosi a essayé utiliser position là et puis la permettre qu'on série de moun qui extrême gauche a influencé et li dit que même des moun qui pi mal que extrême gauche qui pas même connaît qui style de moun qui a influencé li dit ça c'est vraiment li vraiment bad. Il est pas vraiment bon pour image politique là et puis il dit spécialement lorsque nos paquets de sénateurs avec un paquet représentant cap accusé de on bail que yo même yo habitué fait et que lui même lui pas jamais fait. Donc monsieur ça monsieur t'avait dit que question de enquête y a demandé là son bagage son tactique monsieur dit que sénateur yo tout temps yo employé et c'est lui et yo même il a passé la gué dossier sous dol et lui même il pas jamais fait ça et lui c'est ça fait il était paraître à preuve ça. Et bien pour nous tendre on l'autre version de l'histoire ben, parce que nous connaissons pas seulement sous d'autres pour faut nous aller Joe Biden tout. Et bien Joe Biden lui même monsieur con vidéo qui sorti sur lui là qui pas vraiment honorable pour lui tout qui pas fait honneur lui tout et ou bien qui a bal problème tout parce que dans vidéo ça c'est son vidéo que côté que monsieur a expliqué côté l'état bail pression à président ukrainien pour président ukrainien révoquer juge qui t'a enquêté sous petite lia avec sous compagnie que petite lia t'a travaillé avec ça vraiment c'est son révélation qui pas tellement qui pas fin quoi job net bon monsieur pas bail trop détail monsieur pas dit c'est parce que juge là c'est un mauvais juge que il était monsieur juste dit que il t'a fait pression pour que président ukrainien
révoquer juge là n'attendait Joe Biden qu'à parler. I remember going over convincing our team or others to convincing us that we should be providing for loan guarantees. And I went over, I guess the 12th, 13th time to Kyiv, and I was going supposed to announce that there was another $1 billion loan guarantee. And I had gotten a commitment from Poroshenko and from Yatsenyuk that they would take action against the state prosecutor, and they didn't. So they said they had, they were walking out to press conference, said, nah, I said, I'm not going to, or we're not going to give you the $1 billion. Monsieur dit que il était dans situation côté il était en réunion avec haut dirigeant de l'Ukraine et puis il connaît que il était gagné en promesse de monsieur Sao que tu as pas changé justement juge ça qui t'a enquêté sous entreprise corrompue en passant qui était qu'on a bail Hunter Biden en tant que suppléant ben en tant que consultant Hunter Biden était qu'on a touché $50,000 par mois de compagnie ça mes amis en pillage hein? Monsieur vous faites comme tout pas tout monsieur vous faites comme aux États-Unis monsieur vous faites comme tout donc les clarités aux États-Unis carrément ils sont avocats et puis firmé à travailler en Ukraine et puis nègre l'a touché $50,000 par mois sans compter l'autre comme l'a fait aux États-Unis vraiment gain mon cas vivre dans l'autre monde en tout cas monsieur oui donc Joe Biden t'a dit que il était promis que il a prévoqué juge là ben ça pas de quoi j'en fait et monsieur dit les gars des présidents ukrainiens avec l'autre dirigeant il dit nous pas besoin de 50 on continue dans des histoires. They said, you have no authority, you're not the president. The president said, I said, call him. I said, I'm telling you, you're not getting $1 billion. I said, you're not getting $1 billion. I'm going to be leaving here. And I think it was, 6 hours? I looked, I said, I'm leaving in 6 hours. If the prosecutor's not fired, you're not getting the money. Well, son of a bitch. Got fired. And they put in place someone who was solid at the time. Donc, nous entendons ça passer. Monsieur dit que le monsieur dit que les papes, les gardes de monsieur, non, c'est-à-dire que monsieur ne va pas nous cobler, non. Et nègre dit, ou pas aucune autorité pour dire que vous ne pouvez pas cobler. Le président américain dit la bacop. Monsieur dit comme ça, mais bien, le président, nous dit nous ne pouvons pas cobler. Et monsieur dit nègre, président ukrainien inclus, que m'a quitté là dans 6 heures de temps. Si nous pas révoquer juge là cap enquêter sous compagnie cap bay petit moyen cob là cap bay petit cap payer petit moyen et ben nous pas besoin cob OK et monsieur dit que effectivement les dou son of a bitch les go dou son of a bitch et ben monsieur dit que clairement là qu'il te font pression pour révoquer juge qui t'a enquêté sous compagnie et même penser que ça dit aussi grave aussi grave que ça qui est arrivé dans notre plan et en passant l'état mérite une enquête tout parce que pas qu'à un juge qui a enquêté parce que même si nous connaissons un pays ça a vraiment un paquet de juges qui corrompu mais pas qu'à un juge qui a enquêté sur une compagnie qui a payé petit tout $50,000 et puis pour être carrément pour dire que mais c'est pour révoquer le juge là donc ça tout il pourrait être suspect. Et c'est $1 million qui est en jeu. Et le président ukrainien, ben, il a besoin de cobla. Et ben, il a révoqué le juge là. Et ben, vidéo ça qui baille Joe Biden de trois petits problèmes tout. Donc, de toute façon, c'est deux côtés histoire là. Nous, toujours, on est dans PC, toujours deux côtés de l'histoire toujours pour ne pas pencher en bas. Et nous promettons que chaque jour, on n'a pas été avec un petit update sur causer ça parce que son causé peut-être. Qui a fini demain matin, il a abandonné tout bagage. J'aime dire noir, chambre de congrès doit dire bon, il doit trouver que pas gagné assez de preuves. Surtout que Joe, m'a dit Joe, surtout que président Trump parlait avec président Zelensky à New York aujourd'hui pour montrer que pas gagné rien sérieux. Ben, même si nous connaissons que son avion express, il a voulu chercher monsieur Zelensky pour venir.
pour venir calmer et de l'eau sous du feu. Hein. Donc on est parce que le président Trump prenait campagne pour commencer là, bah ça a tourné mal pour lui. Donc monsieur fait Zelensky monter par tête papi, par tête, j'en nous dis en créole là. Et Zelensky monte bon choix là pour arriver à New York pour venir démentir toute parole que le président américain a balle pression, etc. Donc, monsieur démentit toute parole. Et le président Trump, lui-même, dans la conférence de presse, monsieur dit que ça, monsieur, a pas accusé de faire. C'est ça que lui-même n'a pas besoin. C'est parce que qu'on a habitué à faire ces affaires, il a besoin de mettre même dossier avec lui, besoin de mettre dans le même panier avec lui. Donc, nous avons suivi l'évolution situation pour chaque jour apparaître avec une petite vidéo sur le dossier ça. Jusqu'à ce qu'il finisse, nous parlons de côté là pour aller. Est-ce qu'il a un gros problème aux États-Unis? Même Jean ça arrivé ancien président, quand c'est Nixon, on va dire comme ça. De toute façon, c'est un dossier qui est très délicat. C'est un dossier pour chaque jour. Ni Trump, ni Joe Biden montrez-nous chaque vidéo qui compromettant pour vous. Deux mouns à yon, faut marcher tranquille. C'est comme si c'est sous eux y a marché. Parce que n'importe erreur là, ou a perdu élection. N'importe erreur, ou a perdu élection. C'est pas Haïti ou nous là, c'est gros pays, c'est gros bagage, c'est gros causé qui a parlé là. Institution yon fort. Et c'est gros dossier qui a parlé. Donc, n'a pas suivi ça pour vous, parce que nous connaissons que causé Donald Trump sont causés qui intéressent les Haïtiens. Donc, nous promettons que nous avons update.